Solite, alors aujourd'hui on se retrouve pour une review du Myoko. Donc le Myoko c'est le croiseur de rang 7 japonais. Donc dans un premier temps je vais vous faire une petite description de ce Myoko au niveau de sa fiche technique. Donc en ce qui concerne l'armement de ce Myoko, donc il est tout simplement équipé de 5 tourelles de 203 à canon double. Donc les 203, il faut savoir qu'ils font relativement mal, ils font relativement peur en partie on peut dire. Donc ensuite, en ce qui concerne ses points de vie, donc de base, stock, il est à 37 400 points de vie. Donc c'est pas énorme. Donc même avec la dernière coque, il vous fera monter à 39 200 PV. Ça reste pas élevé comparé à ses homologues. Donc c'est pour ça qu'il faut faire relativement attention avec ce genre de croiseur. On va y revenir plus tard dans la vidéo. Ensuite, en ce qui concerne son armement, il a des torpilles. Il possède 2x3 torpilles, donc ça c'est un des gros avantages aussi des croiseurs japonais. Et il possède aussi bien sûr une DCA qui est plutôt moyenne. Voilà, elle n'est pas énorme, elle fait pas beaucoup de dégâts sur les... Enfin, elle n'est pas aussi efficace qu'à Petsakola par exemple pour comparer au même tir. Donc voilà. Ensuite en ce qui concerne sa vitesse, donc environ 35 nœuds. Voilà, classique, et au niveau de sa portée de tir, donc on est à 15-6. Voilà, pour les caractéristiques du Myoko. Donc ensuite, oui, au niveau de sa détection, on est à 13 km. Voilà, donc il faut essayer de jouer avec ça, surtout avec ce type de navire. Et vous avez dans le gameplay, je vais essayer de vous l'illustrer. Donc le Myoko, donc, enfin pour ma part, ça fait combien de temps que j'ai le Myoko? Ça va faire peut-être une semaine. Ça fait une semaine que j'ai eu Myoko, j'ai énormément de parties avec, je suis en train de rusher le Mogami. Donc ce que je peux dire du Myoko, moi qui sors de là-haut bas, c'est que bien évidemment il est bien mieux que là-haut bas. Et c'est surtout, mais surtout ces canons 203, ils font super mal. Même à haut tiers, donc j'ai déjà joué pour les cuirassés tier 9. Et je peux vous assurer qu'ils font vraiment leur taf. On peut taper des touches jusqu'à 5K plus un incendie. Et ça, toutes les 12 secondes il me semble de rechargement, donc bien évidemment c'est super agréable de pouvoir spammer en permanence les incendies, parce que c'est un petit peu le but. En même temps, quand vous jouez Croiseur, c'est essayer de mettre en feu en permanence les cuirassés. Après vous pouvez tenter de jouer à la paix, et là c'est ce que j'ai chargé, je voulais essayer de faire des petits tirs à la paix, et c'est vrai qu'on peut en profiter avec les croiseurs japonais. Vous pouvez essayer de jouer à la paix. Mais bien sûr, contre d'autres croiseurs, là j'ai essayé contre des cuirassés, mais bon, les résultats n'étaient pas forcément là. Donc il faut bien évidemment repasser à la chope. Donc ensuite, comment je joue le Myoko? Alors c'est très simple. Enfin, pour ma part, donc ce que je fais en début de partie, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose toujours, qu'est-ce qu'on fout en début de partie? Donc moi l'avantage c'est que là j'ai été en division. Donc avec mon ami Sifeus, donc qui est quelqu'un avec qui je joue et que je dis un petit coucou en team battle. Donc voilà, juste une petite parenthèse. Bonjour à toi Sifeus. Donc comment je joue? Tout simplement, donc je pars avec mes cuirassés s'il y en a qui veulent bien partir, ce qui est relativement rare. Ce qui veulent bien partir sur un point, on les suit, on les escorte, on essaye de spot, on essaye de mettre en feu 2-3 navires par-ci par-là, quelques points de dégâts et on recule tout de suite. Si on voit qu'ils ont l'avantage, ça sert à rien de rester. On recule. Voilà. Moi j'ai reculé. Je me repositionne. Je vais lâcher 2-3 obus. Et je vais essayer de voir de quelle façon je vais pouvoir continuer à leur tirer dessus. Sans qu'ils me focus ou ils me mettent des citadelles. Parce que là je suis relativement bien exposé. Et le but c'est qu'ils ne recommencent pas. Donc là ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais essayer de me relocaliser à leur gauche pour essayer d'avoir leur flanc et les mettre simplement en feu constant. Là c'est ce que je vais faire, parce que le problème en face de moi c'est qu'il y a un Colorado et un New Mexico qui me barrent la route. Donc c'est vraiment les deux plus grosses menaces, donc je vais essayer de les mettre en feu en permanence. C'est mon rôle, c'est votre rôle en tant que croiseur, bloquer ces cuirassés. Voilà, c'était vraiment ma cible prioritaire. Alors ensuite je vais juste revenir à un petit point sur le Myoko, c'est sa maniabilité. Il faut vraiment profiter de ça pour essayer d'esquiver le maximum de tirs. Parce que comme je vous l'ai dit, le Myoko est relativement fragile. Une erreur de positionnement, c'est fin de game assuré, ou vous faire péter de propre de citadelle, quoi, puis voilà, c'est terminé. Vous n'allez plus rien faire après. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Au positionnement, là vous voyez,
L'avantage, c'est que j'ai la montagne qui me protège des cuirassés, donc je pouvais me permettre de me mettre de flanc et d'ouvrir le feu sur les différents navires qui étaient en face de moi. Donc en l'occurrence, voilà un croiseur et un destroyer qui se sont fait ouvrir. Excusez-moi. Donc là, le petit Thomas, alors lui, il était complètement perdu. Je sais pas ce qu'il où il est parti. Donc, du coup, j'en ai profité pour lui tirer dessus. Et un petit peu plus tard dans le gameplay, vous allez voir qu'on va mettre en œuvre, enfin vous allez pouvoir voir l'utilisation des torpilles. Petit kill de prix, pas très glorieux. De toute manière, on sait tous que les kills, ce n'est pas ce qui compte. Mais bon, c'est toujours agréable. C'est bien sûr les dégâts. Donc vous allez voir que notamment dans cette partie, je crois que je vais arriver presque aux 100 000 de dégâts. Bon, c'est pas énorme, énorme, mais bon, c'est une très belle partie. Donc on va voir un autre aspect du Myoko comme je vous l'ai dit, donc ce sont les torpilles. Vous les avez et il faut les utiliser. Alors, il faut pas les utiliser n'importe comment. Il faut savoir que chez le Myoko, les torpilles sont tout simplement situées à l'arrière du navire. Tout simplement, enfin ils sont pas au milieu, ouais, ils sont un peu reculés quand même. Et le problème c'est qu'elles ont un angle. Elles ont un angle pas super pratique car vous allez être obligé de complètement montrer votre flanc, mais vraiment vraiment montrer votre flanc. C'est pas comme un Atago où elles sont plutôt bien placées. Là c'est vraiment une catastrophe. Donc comment les utiliser et quand? Donc il faut les utiliser quand vous êtes en position de retrait par rapport à un navire. Donc on va bientôt le voir là dans la vidéo, la façon un petit peu de les utiliser. Enfin je pense que c'est une des meilleures façons. Voilà. Quand vous fuyez le combat, n'hésitez pas à lâcher hop, une petite bordée de torpilles. D'ailleurs, vous allez le voir au début de cette vidéo, enfin vous l'avez déjà vu, que ça peut faire relativement mal. Voilà, et ça peut surprendre. Mais bien sûr, c'est pas votre arme principale. Il faut vraiment pas essayer de mettre des torpilles tout le temps. Il faut l'utiliser que dans certaines situations. Et vous allez voir, ça peut être plutôt profitable pour vous. Voilà, vous allez mettre relativement pas mal de dégâts avec déjà, première chose. Et seconde chose, j'essaie juste de me rappeler en fait de la vitesse des torpilles. Donc elles vont à, je crois qu'avant 60 nœuds, il me semble. Ouais, avant 60 nœuds, voilà. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc vous allez voir un petit peu en image. Donc là, je suis en focus sur le New Mexico et le Colorado. Le Colorado qui était planqué derrière sa montagne, du coup, je ne vais pas lui tirer dessus. Là ça sert à rien que je lui fonce dessus. J'essaie de me cacher un peu du New Mex. Parce que bon, New Mex il m'ouvre en deux en quelques secondes si j'essaye de mettre de flanc. Là le Colorado était devenu ma cible principale. Je le prends en focus. Là, je fais quelque chose qu'il faut peut-être pas forcément faire. Mais je me mets de flanc. Mais bon, il n'était pas focus sur moi. Il y avait juste le New Mex voilà, qui me met juste un petit tir. Qui m'a pas trop fait de dégâts, j'ai eu énormément de chance. Donc là par coup de chance le Colorado aussi qui est bientôt mort. Bien sûr je passe en focus sur lui, il faut vraiment le couler. Vous voyez les dégâts c'est 3000, 4000. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est vraiment un anti cuirassé tier 7. Il est vraiment très bien dans son tir ce Myoko. Je l'utilise en bataille en équipe parce que je n'ai plus de tier 8. Tous revendus, je sais, honte à moi, mais je n'ai plus de tier 8, du coup je suis obligé d'utiliser ce Myoko. Et en team battle, et ben il s'en sort plutôt pas mal. Il y a même des parties où je suis arrivé premier, donc c'était plutôt bien. J'étais content de moi, le petit tier 7 avec son petit Myoko, il s'en sort plutôt bien. Mais bon, c'est surtout ces canons qui vont. J'ai beaucoup répété, enfin beaucoup insisté sur la puissance de ces canons, mais c'est vrai qu'ils font vraiment le boulot. Donc là voilà, je lâche mes torpilles. Mais je sais que je vais être à couvert après, donc je me casse. Je me casse et je laisse les torpilles filer. Alors malheureusement, je vais être exposé un petit peu après, avant que les torpilles espèrent toucher. On va voir. Donc là voilà, j'essaye de m'angler légèrement pour éviter de prendre un minimum de dégâts. Donc vous avez vu que dans la partie, j'ai réussi à garder mes PV relativement haut, donc ça va. J'en ai pas trop perdu et ça me permet de rester en jeu, bon même si la victoire était plutôt assurée. Donc alors là par contre une bordée qui arrive, voilà, dégâts modérés ça va. J'ai pas pris trop cher non plus. Et là, les torpilles qui arrivent sur le New Mexico. Alors, je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Et il va quand même s'en manger 4 et voilà, c'est la fin du... C'est la fin du New Mexico, en plus il avait plus de kit de réparation que j'ai mis en feu et c'est coulé.
C'est touché coulé, comme on dit. Voilà, donc là, il restait plus que le CV qui était sur ma droite, donc je vais aller le chercher. Et voilà, les amis, pour cette pour cette belle partie au Myoko. J'espère que vous aurez appris des choses sur le Myoko. C'est vrai que c'est un navire qui est pas forcément très simple à jouer comparé au Pensacola, mais il est vraiment super agréable à jouer surtout. Prenez beaucoup de plaisir parce que vous allez mettre pas mal de dégâts, tout ça. Et voilà. Pour résumer, si je veux faire un court bilan, ses points positifs, c'est son armement, les canons de 203 et les torpilles. C'est vrai, c'est ce qui fait sa force. Excusez-moi pour la petite sonnerie derrière. Voilà. Canon, torpille, c'est ce qui fait sa force. Et je pourrais peut-être ajouter son agilité. Il est plutôt maniable, tout ça, et ça, c'est plutôt agréable. Et je vais mettre, allez, un tout petit plus sur la DCA qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est présente quand même, bien évidemment, puisqu'on a l'atout. Enfin, le boost de DCA, donc bon, c'est pas dégueu. C'est pas à la hauteur des croiseurs américains, mais elle est présente quand même. Donc, après, bien sûr, au niveau de ses défauts, c'est ses points de vie, c'est son blindage, comme tout croiseur, et notamment les croiseurs japonais. Faites très attention à ça, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile à jouer que les américains. Après, ce n'est que mon avis personnel. Donc voilà. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut de ce navire. Mais moi, voilà, c'est mon ressenti. Après avoir joué pas mal, du coup, les croiseurs japonais. Et je verrai au fur et à mesure des vidéos comment. Enfin, vous verrez au fur et à mesure. Je vais vous proposer des vidéos sur les croiseurs japonais. Et on pourra un petit peu plus en discuter. Donc voilà, pour cette belle partie. J'étais plutôt content de la faire et j'espère surtout que vous aurez apprécié en début de vidéo cette petite action sur la même map d'ailleurs, pas la même partie mais la même map. C'est vrai que sur le coup j'étais plutôt content. Donc là le CV que j'essaye de mettre en feu. Pauvre petit CV. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez apprécié la vidéo, j'espère qu'elle aura été de meilleure qualité que la précédente, puisque j'ai tout simplement essayer de chercher à savoir ce qui avait amélioré dans mes vidéos. J'espère m'améliorer de jour en jour et de vidéo en vidéo surtout, c'est ce qui compte. Sachez que c'est pas facile et que voilà, j'essaye de faire de mon maximum et je vous remercie vraiment pour avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez le Myoko et qu'est-ce que vous en pensez surtout? C'est très important d'avoir plusieurs avis. Enfin moi, j'aime bien voir l'avis des autres, comme ça on peut un petit peu comparer les points faibles et surtout les points forts des navires. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.